Corporate social responsibility is a necessity to move ahead and be able to combine growth and climate challenge and societal challenges as well. Taking into account the impact of our actions on environment, on our employees, and on society at large, we, Safran, will remain a leader in our markets, in our businesses. Cette stratégie RSE s'appuie sur quatre piliers: décarboner l'aéronautique, être un employeur exemplaire, incarner l'industrie responsable et affirmer son engagement citoyen. Ces quatre piliers ont été le résultat d'un travail de consultation avec des parties prenantes externes et des parties prenantes internes. C'est notre cadre, à tous et toutes, qui va nous permettre d'avoir des engagements et des objectifs à horizon 2025. On peut continuer à essayer de développer notre activité tout en incluant dans notre politique, dans nos choix, l'intégration de cette préservation du vivant. La démarche bas carbone a pour objectif de nous rendre tous collectivement plus vertueux. En el campus Sao Chihuahua, tenemos el 70% de nuestro consumo eléctrico proviene de paneles solares. Et puis on a encore plus important besoin de travailler sur nos produits. Je pense que les gens, ils auront toujours envie de voyager, ils auront besoin de voyager. Et donc, c'est notre responsabilité de motoristes et d'équipementiers de décarboner. Et pour réussir ce nouveau challenge, la rupture technologique est indispensable. Et en prenant bien ce bon virage, en le prenant avant les autres, en le prenant plus fort que les autres, d'une façon évidente, pour moi, Safran gardera sa place majeure dans le futur. Déjà, un employeur exemplaire, c'est quelqu'un un employeur qui dialogue avec son salarié, quelqu'un qui fait que l'employé se sent bien au travail, quelqu'un qui est inclusif, c'est-à-dire qui est un employeur qui accepte tous les profils. Pour moi, être un employeur exemplaire, c'est garantir la sécurité et la santé des employés. C'est aussi développer et maintenir leurs compétences. 对于我们每个人，工作和自身的发展非常重要。 除此以外呢，对于整个环境的保护，以及回馈社会，还有就是我们和谐的生活，以及保持一个工作和生活的一个平衡。 Incarner l'industrie responsable, c'est s'inscrire dans un schéma qui va concilier les objectifs de notre industrie, les objectifs de notre groupe, tout en respectant l'environnement. Et dans l'environnement, encore une fois, je mets le contexte du pays, le contexte des employés. Il y a un devoir d'exemplarité, on est quand même donneur d'ordre industriel. Safran a un impact sur ce qui se passe chez ses fournisseurs, c'est très important de le savoir. Et sans éthique, en fait, on ne peut pas véritablement avancer de manière pérenne et responsable. Aujourd'hui, l'éthique, c'est la colonne vertébrale de la société. On la trouve dans les relations sociales, on la trouve dans les conflits d'intérêts, on la trouve dans la santé, dans la sécurité, dans l'environnement. Partout, on parle d'éthique. Pour moi, l'entreprise, elle fait partie de la cité, elle fait partie d'une communauté, elle doit être citoyenne. Si on n'est pas connecté aux problématiques sociétales, les jeunes de demain, ils vont se dire « Mais quel est l'intérêt d'aller dans une entreprise qui ne répond pas aux problématiques qui me sont chères ?» Fundamentally, every citizen deserves to live in safety and security. Je suis fier de ce que fait Safran dans ce domaine-là, parce que la défense, c'est aussi préserver notre souveraineté, préserver notre mode de vie. C'est travailler aussi sur la défense de nos valeurs. It's not just a piece of paper or something that folks sign, it's something that really has to be implemented. What you see in the workplace here is the same person that I am outside of work. I'm committed to doing the right thing all the time. The future is not just something that happens to us, it's something that we make for ourselves. Some of the most impactful programs and things that have ever been done, they've been done by people in any position in the company, in any station in life. So anyone can really make a difference. So go and do it. Go and do it.